Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre revue online Kika Wine. Je suis Emilia. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un vigneron qui est la quatrième génération de son domaine, exactement au Château-le-Duc, à tout près de Bordeaux, pas loin de Bordeaux. Donc, avec 118 hectares situés à Tresse, exactement. Et donc, on vous présente tout de suite Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Emilia. Bonjour, bienvenue parmi nous. Donc Hervé, on commence tout de suite avec une question. Hélas, je sais bien qu'est-ce qui s'est passé malheureusement au niveau des gels hein, ces derniers jours. Donc tout d'abord, tu nous dis comment c'est passé, c'est tout ça, donc si vous n'êtes pas trop touché. Et voilà, et tu présentes ton domaine. Allez, je te laisse parler, vas-y. Avec plaisir, merci de me donner la parole, Emilia. Donc, je suis Hervé Grandeau, vigneron viticulteur à Tresse, comme Emilia vous l'a dit, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Bordeaux, donc une des propriétés les plus proches sur la rive droite et dans l'entre-deux-mers de Bordeaux. Une propriété que j'exploite pour la quatrième génération avec mon frère Régis, et nous sommes tous les deux depuis 25 ans à la tête de cette propriété de 115 hectares en production, 3 hectares de plus de jeunes vignes réparties sur 8 communes de l'agglomération bordelaise. Et nous produisons des appellations Bordeaux, Bordeaux supérieur, Bordeaux dans toutes les couleurs bien sûr, du blanc, du rosé, de l'entre-deux-mers, du clairé, la spécificité, le rosé foncé de Bordeaux, et puis des Bordeaux sup, divers Bordeaux sup, vieillis en fût de chêne, pas vieillis en fût de chêne, ça dépend des cuvées, et puis la grande cuvée qui est un assemblage de tous nos cépages, on y reviendra tout à l'heure, et puis en fait des monocépages, parce qu'ici à Bordeaux, terre de tradition de l'assemblage, on a voulu montrer que l'on pouvait aussi faire d'excellents vins, pardon, avec des 100% Cabernet Franc, des 100% Malbec, des 100% Cabernet Sauvignon, des 100% Merlot, et puis le petit dernier, le petit 100% petit verre d'eau, nouveauté dans la gamme. Alors, en effet, je te prends la parole. J'ai une question à te poser, parce que moi, j'ai eu la chance de venir te rencontrer, de goûter tes excellents Bordeaux, tes vins. Et c'est vrai que c'est une période un peu dure pour les Bordelaises, pour les vignerons, concernant un petit peu de décalage dans les ventes, entre guillemets, en quelques j'ai noté des snobismes, excusez-moi les mots pas trop clairs. Voilà. Et à cause de ça, des vignerons comme toi, qui méritent 100% tous les soutiens et tout le meilleur réussite, sont un peu touchés aussi, j'imagine, parce que voilà. Et à ton avis, ça doit quoi tout ça? Pourquoi les gens ils sont devenus comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile en ce moment pour Bordeaux. Bordeaux qui a été le vin certainement le plus exporté dans le monde il y a encore 30 ou 40 années, la réputation des grands crus de Bordeaux qui n'est plus à faire, l'augmentation des grands crus de Bordeaux ces dernières années n'a pas joué pour les petits viticulteurs de la région de Bordeaux. Je crois que les distributeurs, les consommateurs font parfois un amalgame. À Bordeaux, il y a deux viticultures bien distinctes. Il y a 5 à 10% de la viticulture qui sont des grands crus classés, des vins iconiques et des vins qui sont devenus inaccessibles. Pour autant, il y a une grande majorité des petits viticulteurs de Bordeaux dont je fais partie, qui sont des artisans du vin que l'on peut retrouver dans n'importe quelle région de France, dans n'importe quelle région d'Italie. On fait le vin de la même façon, on a ça dans les veines, on travaille dur pour essayer de faire des vins de qualité, des vins ici à Bordeaux qui peuvent avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un rapport qualité-prix exceptionnel. Sans dire de prix, mais à moins de 10 euros à Bordeaux, on peut se régaler. Donc, par rapport à ça, ben, je continue à y croire, même si ce n'est pas facile. Mais je crois que Bordeaux reviendra dans les cœurs des consommateurs quand on saura prouver qu'à Bordeaux, nous sommes des simples vignerons, les pieds dans la terre, les mêmes sales quand on travaille et à essayer de faire des jolis vins. Alors, au-delà de la difficulté
des vins que rencontrent les vins de Bordeaux. On a eu, comme partout dans le monde, le Covid qui est arrivé il y a presque plus d'un an maintenant. Ah oui. Qui a rendu encore davantage difficile la distribution de nos vins, notamment, comme je te le disais, Emilia, à Château-Lauduc, nous sommes essentiellement vendus en restauration à travers la France, à travers l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne. Nos vins sont des vins de restauration. Et depuis presque un an, c'est très très peu de commandes pour la restauration puisque les restaurants de France et d'Europe sont fermés. Alors, et puis, oui, excuse-moi. Et puis, juste pour finir, la semaine dernière, le troisième coup dur, oui, c'est les gelées qui se sont abattues sur l'Europe, sur la France, sur l'Italie, sur l'Espagne, et qui ont en deux nuits gelé notre vignoble. Alors, je vais dire que je m'en sors pas si mal que ça. Je ne suis pas ni à 100% ni quasiment tout gelé. J'ai la chance d'être gelé sur des parcelles, mais ça représente 20% de mon vignoble. Alors on croise les doigts pour essayer d'éviter les gels jusqu'aux seins de glace qui arriveront début mai. Et à partir de là, on pourrait être plus serein, mais on a encore 3 semaines, 15 jours à attendre pour être sûr que la récolte sera bonne. Alors, moi, je te remercie pour ta réponse, tes réponses et toi, tout notre soutien, mon soutien personnel aussi. Concernant l'effet du Bordeaux, du vin des Bordeaux, on n'est pas justement là pas pour ni mal parler des grands domaines, hein, s'il te plaît, on est correct. Hein. Mais c'est vrai que ça, voilà, tu as raison. À cause de ça, il faut dire que les gens, ils commencent ils se sont posés des questions. Est-ce qu'on peut regarder ailleurs? Alors qu'ils ont encore un peu la mentalité, malheureusement. Je pense aussi des anciennes générations, des cette Bordeaux, c'est que les grands domaines, alors qu'avec tous les respects pour les grands domaines, okay, il n'y a pas que ça. Donc, on est d'accord. Donc, et moi, je suis là pour ça. J'aime bien trouver des pépites comme toi, qu'ils soient italiens, qu'ils soient français. Je suis impartiale. Et j'ai dit à tout le monde qui nous écoute, franchement, allez à goûter ces vins parce qu'ils sont vraiment excellents. Et je souhaiterais bien que tu montres aussi tes nouvelles étiquettes parce qu'en plus, ils sont très flattants. J'ai tout que toi, donner un coup de jeunesse. Parce qu'on a besoin aussi de sortir un peu de l'ordinaire, sans vexer les étiquettes château, mais les gens commencent à être un peu fatigués de cette image. J'ai parlé avec le monde, j'ai fait le foire au vin, dit mais on ne comprend rien, toujours cette étiquette. Et ça suffit qu'il y ait une étiquette qui sort de l'ordinaire et les vins soient bons, ben ils partent vite. Donc fais voir un petit peu tes étiquettes, c'est magnifique. Vas-y. Avec plaisir, Emilia. Effectivement, à Bordeaux, on est un peu parfois enfermé dans le classicisme. Et moi, ça fait quelques années que j'essaye d'en sortir et de proposer des choses différentes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Oui. Je vous ai parlé de nos cuvées monocépages. Oui. Comme par exemple cette cuvée avec une vache de race limousine sur la cuvée. Ça s'appelle, c'est la gamme qui s'appelle les Étoiles de l'Auduc. Ça, c'est un 100% merlot, comme vous pouvez le voir. Et il y a une vache parce que on a aussi de l'élevage, on fait de l'élevage de vaches sur notre domaine. Nous sommes des viticulteurs, mais avant tout des agriculteurs à part entière, des agriculteurs qui avons évolué ces derniers temps vers l'agriculture biologique, bien évidemment. Et d'ici 2 ou 3 ans, l'ensemble du vignoble sera certifié en agriculture biologique. Parce que nous avons un souci de l'environnement. Donc, je vous ai montré le Merlot. Je peux également vous montrer le Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, ce sont les chevaux de trait, parce qu'à l'Auduc, il y a 15 de chevaux de trait sur l'exploitation également. Les chevaux de trait que nous dressons pour travailler les vignes. Alors, je ne vais pas vous dire que l'on travaille toutes nos vignes avec nos chevaux de trait, mais on est sans cesse dans la recherche de regarder comment on peut faire et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça, c'est excellent. C'est vraiment une chose magnifique. Ouais. La troisième cuvée, c'est le Cabernet Franc. Le Cabernet Franc qui est une cuvée tout en dentelle, une cuvée de Bordeaux qui nous fait penser à l'hirondelle qui niche sur nos terres chaque année. Les hirondelles, c'est le symbole de la liberté, de la finesse. Et puis, je ne l'ai pas avec moi, malheureusement, ou je l'ai à travers une caisse où on reprend les 3 cépages. Ah oui. Les 3 cépages.
Et puis vous voyez au milieu, il y a un lièvre. Ça, c'est le 100% Malbec. Ouais. Le 100% Malbec. Alors, le Malbec qui est né à Bordeaux. Aujourd'hui, on pense que c'est le vin du Cahors et de l'Argentine. Bien évidemment, ils sont devenus des spécialistes du Malbec. À Bordeaux, on en a beaucoup moins, mais on en a, mais depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, c'est un cépage qui renaît et qui est intéressant et qui plaît aux consommateurs. Et puis, d'ici quelques semaines, je n'ai pas reçu encore les étiquettes, on vient de le mettre en bouteille, il y aura le petit verre d'eau, comme je vous l'ai dit. Le petit verre d'eau, cépage médocain, qui rentre souvent dans les assemblages à hauteur de 5%. Mais chez nous, ça sera une cuvée 100% petit verre d'eau. Super. Pour finir, Emilia, la bouteille, la grande cuvée du Château Lauduc. Et bien là-dedans, on a tous les cépages dont je viens de vous parler. Sévillé en fût de chêne, comme les monocépages. Et puis, un Bordeaux, je dirais, à la bourguignonne, un Bordeaux tout en finesse, un Bordeaux où on n'a pas trop tiré dessus pour extraire. On est dans quelque chose de fin, de tout en dentelle et qui s'exprime royalement bien après un petit décantage parce que c'est un 2018 et il faut l'aérer pour qu'il se présente le mieux possible. Donc ces derniers que j'ai eu l'honneur de goûter lors de notre visite, c'est un potentiel de garde aussi, tu me disais l'autre fois, un potentiel de vieillissement, donc il peut vieillir. Ah oui. Alors, sur cette cuvée, on a un recul qui est limité puisqu'on a commencé en 2015. Mais on en garde un petit peu. On a vendu tous les 2015, les 2016. En 2017, on n'a pas fait. Maintenant, on vend en 2018. Mais à chaque fois, on garde quelques bouteilles pour voir comment ils se comportent dans le temps. Et je dois dire que pour le moment, c'est plutôt prometteur. D'accord. Écoute, Hervé, avant de se quitter, je suis vraiment flattée d'être avoir eu notre revue. En sachant que moi, je retournerai vers toi vis-à-vis, comme promis, pour faire un petit vidéo de ton domaine. Hein. On était d'accord de faire ça. Donc, on fait passer ces confinements et après, à mois de mai, on se revoit sûrement parce que je tiens beaucoup que tout le monde voit ton travail aussi touché avec les yeux. Qu'est-ce qu'on a derrière ta coude, tes cuves, avec cette immense, magnifique, on dirait prairie, on dirait des vignes qui sont magnifiques. Et te voir vis-à-vis et faire une petite dégustation directe, pourquoi pas, faire un petit, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à nos internautes qui nous suivent et qui souhaiteraient te voir, venir visiter? Est-ce que tu pourras éventuellement, tu sais, dans nos tourismes, on reste positif pour l'été, hein, donc on va rester positif. Est-ce que c'est quelqu'un qui souhaiterait venir te voir? Est-ce qu'il pourra loger quelque part? Tu connais quelqu'un? Tu pourras éventuellement leur donner des infos? Est-ce qu'on peut faire ça? Bien sûr. Alors, deux choses. La première chose, c'est que moi, je vais t'accueillir avec grand plaisir dès qu'on pourra le faire. Et la prochaine fois, on dégustera parce que quand même, ce qui est le plus important, parler des vins, c'est une chose, mais les mettre en bouche, ça n'est une autre. Alors, comme on avait fait la première fois qu'on s'est rencontrés, tu viens, on se perd dans le chai au milieu des cuves. Et puis, chaque fois qu'on passe devant une cuve, on regarde, on déguste et tu me dis, parce que c'est toujours important d'avoir la vie d'une femme. Qui plus est italienne, alors là, pour moi, c'est top. Donc, je suis flattée, Hervé. Et on goûtera c'est vraiment flattant. Et je parle comme un italien. Hein. Bah, écoute, Hervé, sache-toi que Stéphane, bon, on laisse passer ces moments. J'ai l'intention de faire une petite escapade avec toi dès que possible en Italie, parce qu'on pourrait faire quelque chose avec les sommeliers italiens. Exactement sous la ville de Parme, qui sont très ouvertes, ils écoutent tout ça, ils sont au courant de mes évolutions, mes contacts. Et au contraire, donc, je ne peux pas dire quoi, Sarah, j'espère le plus tôt possible. Sarah, peut-être plus facile au fin d'année, au début de l'année prochaine, hein, parce qu'il faut rester positif, entre guillemets, mais réaliste avec cette Covid. Mais tu peux compter sur moi, là. Donc, ça, c'est sûr, je ne laisse pas tomber, absolument. Non. Et en attendant, vous pouvez venir nous visiter ici à Trèsse. Effectivement, nous avons une structure pour vous accueillir. Alors, nous avons différentes visites que nous proposons à notre clientèle. Oui. Ça va d'une visite, bien évidemment, gratuite de un quart d'heure, 20 minutes, à des visites un peu plus élaborées qui peuvent durer jusqu'à 2 heures avec un atelier d'assemblage cépage par cépage.
Donc venez donc nous voir, on sera ravis de vous accueillir. On a Flora, Yasmine, moi-même, Pierre qui sont là tout le temps au domaine pour accueillir nos visiteurs, recevoir à travers la boutique, expliquer notre métier. Et puis, on travaille aussi avec un réseau de chambres d'hôtes dans le coin, des chambres d'hôtes qui sont à 2-3 km du domaine et qui, voilà, on peut mettre en relation facilement, il suffit de nous contacter. On a le site, c'est loduc.fr. Donc, contactez-nous, posez vos questions, demandez un rendez-vous et on fera tout pour vous rendre heureux. Bah écoute, Hervé, je suis vraiment contente de t'avoir eu enfin pour l'interview. Pour l'instant, un petit peu en distance, voilà. Mais comme promis, on s'organisera avant que je rentre sur Nantes avant fin juin pour venir te voir. Voilà, on aura mon mari qui fera le caméraman, il faut le dire. Donc, on aura l'occasion de, voilà, j'ai hâte aussi de voir vraiment ton domaine. Hein, parce que grâce à moi, elle est fascinée de mon divin. Donc, voilà, et ce sera vraiment un plaisir de te revoir encore une fois vis-à-vis. Et je souhaite à toi et à tous les vignerons comme toi, qu'ils soient français, qu'ils soient italiens, qu'ils travaillent avec le cœur, les mains dans la terre, comme tu dis, et vraiment, qu'ils donnent les mieux et qu'ils sont vraiment ouverts. Hein. Et ce sont ces chaleurs vers l'être humain, voilà, c'est important aussi. Au-delà de goûter un bon vin, c'est vrai, les vins, c'est un moment de plaisir, de convivialité. Donc, boire avec un personnage comme toi, c'est du top. Merci beaucoup, Emilia. C'est très, très sympathique de ta part. Et je t'attends dès que tu le veux au domaine pour une belle dégustation. Sur moi. Écoute, à bientôt. Dès que tu verras bientôt ton interview. Donc, encore merci d'être avec nous, d'être sur Kika Wine. Et puis, je te souhaite la meilleure chose. D'accord ? À très bientôt. Merci.